As a company, we really believe in investing in the next generation of engineers, and one of the reasons why we are here today is... Ce que nous attendons d'eux, c'est de se projeter déjà un petit peu ce qu'ils feraient eux dans une situation en entreprise. J'attends que les étudiants puissent connaître ce milieu, cet écosystème de l'innovation et de la créativité, et aussi puissent connaître un peu plus sur l'hydrogène vert. I expect to be impressed and thrilled by the ideas that the students have based on my experience from IFP. IFP has always produced lots of good ideas. Ce challenge, c'est sur la dimension interculturelle. Du coup, chez Exxon Mobil, on est une entreprise mondiale, globale, où on a pas mal de cultures. Et là, on a mis en place un nouveau système où il y a des ingénieurs de différentes cultures qui vont travailler ensemble et seront même sur différents continents dans une seule équipe. Ce challenge Innov'Action, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes de différents programmes. Je pense que cet atelier, c'était quelque chose de très intéressant comme transition entre notre scolarité et notre futur professionnel. J'ai trouvé que ce projet était très intéressant pour nous parce que du coup, on a pu se servir de ce qu'on a appris en entreprise. On a interviewé les personnes dans nos compagnies pour ensuite s'en servir lors de ce projet. Ça y est, sur la transition énergétique et sur l'impact que peuvent avoir des grandes entreprises. Et ça va être aussi notre rôle à jouer demain lorsqu'on sera salarié des entreprises. Je pense que cet événement, il m'a permis de réfléchir d'une manière différente de ce que je fais d'habitude. On a été contraint en fait de prendre du recul sur la situation. On ne nous a pas bridé. Habituellement, voilà, on nous met certaines contraintes dans notre réflexion. Et ce qui a été intéressant cette fois-ci, c'était justement qu'on n'a pas eu de contraintes. On pouvait vraiment réfléchir au monde qu'on voulait construire demain.